Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse. Petite information avant de partir sur cette... J'ai vraiment regardé ça. Trois points d'interrogation. Tout simplement pour vous dire que je vais partir un peu plus dans les critiques, ayant moins de vie de grenier et de temps pour les faire, car travaillant le week-end, du coup ça me prend sur mes temps de vidéos potentielles. Du coup, je vais m'attaquer à faire certaines critiques, mais le concept va un peu changer. Je vais flinguer évidemment des films, mais je vais également faire des critiques sur des films qui mériteraient d'être plus connus, vu la qualité de vidéo que c'est. Donc, désormais, le but de la chaîne, ça va être de faire des critiques positives ou négatives, l'un ou l'autre, mais sur des films malgré tout qui, comparément au Lac des Morts Vivants qui a eu un gros succès, sont inconnus. Est-ce que vous méritez de connaître ou pas ces abominations ou ces exploits? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec un film d'horreur, et le prochain ne sera pas un film d'horreur, mais celui-ci en est malheureusement un. Entre Piranha et Anaconda, nous avons réussi à faire un Piraconda. This Halloween, terror strikes twice. Feel the vengeance of beasts combined. Piranaconda. Piraconda est une histoire qui commençait à la base bien. Déjà, quand vous voyez les acteurs, les principaux sont Michael Madsen et Rachel Hunter. Bon, d'accord. Je vous l'accorde, Rachel Hunter a joué dans des films assez bizarres. Du genre, c'était comment déjà? Sex, Striptease et Tequila, ou quelque chose comme ça, et La Nuit des Losers? Le retour des Losers. Enfin, vous voyez les films horribles. Par contre, Michael Madsen, ou Madsen, je ne sais plus comment ça se prononce, j'en attendais du bon. C'est quand même Kill Bill, c'est quand même Reservoir Dogs, c'est quand même Sin City. Mince, quoi. Et ça finit dans des films aussi pourris que ça en a l'air. Donc, Piraconda est un film tout à fait exceptionnel, racontant une histoire oh combien palpitante. Lorsqu'il découvre un œuf gigantesque au plus profond de la forêt tropicale, le professeur Lovegrove, à savoir Michael Madsen, pense que sa fortune est faite. Mais l'œuf appartient à une créature gigantesque, croisement de piranha et d'anaconda. Et foncièrement, là on peut dire que c'est réellement une erreur de la nature, dans tous les sens du terme, c'est une erreur du cinéma. Le scientifique trouve refuge dans une île où une équipe de cinéma tourne un film. Alors l'équipe de cinéma déjà, parlons-en de cette équipe de cinéma. Le film qui sort là, c'est Carnage sous les boobies, en dépit de Carnage sous les tropiques. Voilà, on les deux cumulés. Non, franchement, les acteurs sont complètement teubés. Je veux dire, le stéréotype de la blonde complètement conne, là, c'est, on ne peut pas être au plus près. Franchement, c'est aussi crédible que dans des films de Charles Band. Sauf que dans Charles Band, ça me fait rire. Voilà la différence. Enfin, avec Charles Band, vous allez dire, vous attendez déjà un nanar avant même le début du film. Et franchement, là, les acteurs sont assez décevants. Donc, bien sûr, il y en a qui essaient de faire de leur mieux, il y en a qui c'est du genre foutisme, d'une force colossale. Les dialogues sont d'une intelligence à faire pâlir un macabre. Mais bon, après ça. Donc, dans notre film, vous continuez avec un Piraconda complètement moche, fait en effets spéciaux, qui, franchement, ils n'avaient pas les moyens. Qui va partir à leur trousse pour rechoper son œuf. Et bientôt, ils vont se retrouver prisonniers de l'île et ils vont être attaqués par le monstre mystérieux plus un autre. Et oui, il n'était pas assez moche tout seul, il fallait en rajouter deux. Beautiful. Sauf que ce film est bourré d'incohérences en plus de ce que j'ai déjà dit. Regardez cette scène. Peut-être est-ce mes lunettes de soleil qui me font un faux reflet, mais j'ai l'impression que d'un plan à l'autre, les gens paniquent en regardant derrière, et bizarrement, y a rien. Je veux dire, j'ai l'impression que j'ai oublié d'incruster le serpent dans l'image pour la course-poursuite. J'ai l'impression qu'il crie, ah, y a un peu de sable qui se lève, la terre tremble, mais y a rien dessus, il est devenu invisible. Non, sérieux, c'est déplorable. Comment peut-on oublier? On peut pas être gens foutistes à ce point. Alors ensuite, les scènes de meurtre, n'en parlons pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du virtuel de merde,
Et ça fait que tu vois le serpent passer, oh, éclaboussure de sang, pixelisé évidemment, hein. Pas du sang qui fait classe, c'est vraiment limite, au lieu qu'elle soit fait bouffer, elle a explosé au moment où la tête du Piraconda passait devant elle. Et là, t'as juste le Piraconda qui se dit, oh, et moi je connais bien, et ça m'a niqué les dents ces explosions. Non, sérieux, non. Bon, l'histoire en elle-même se tient. Alors par contre, vous rencontrez le cinéma, vous rencontrez les trafiquants, vous rencontrez les scientifiques, c'est tout le beau monde qui sur une île se rencontre. Allez, c'est Beautiful Day, un gros serpent, on va faire jouer les flingues avec des coups de feu ô combien crédibles. Ça va avec le reste du film. Non, il faut tenir jusqu'au bout, hein, quand même, c'est... Vous voulez voir la fin qui d'ailleurs est prévisible, hein, c'est... Là, vous voyez une belle fin, vous savez, vous aimeriez en voir comme ça au cinéma où le grand serpent se déploie de tout son long pour atteindre les survivants en haut de la colline. Et finalement, les survivants vont réussir à avoir l'intelligence et surtout l'efficacité de lancer un paquet de dynamite dans la bouche du serpent. Non, non, mais ils ont réussi, quand même, vous voyez la distance, ils ont réussi à lancer la dynamite dans sa bouche. Sans se rater. Alors qu'au niveau tir avec des armes, même de près, ils sont pas foutus de viser. Un gros coup de peau, jouer au loto, je sais pas là, mais faut en profiter. C'est l'occasion. Enfin voilà, donc je répète pour finir ce film. Prenez deux classiques Anaconda et Piranha, qui sont d'ailleurs deux très bons films. Enfin pour ma part, j'ai pas vu Piranha, mais Anaconda était très bon. Mélangez-les et vous obtenez Piraconda. Ah, la nouvelle génération de films de créatures plus violents, plus sanguinants et plus terrifiants. Ah oui, non, non, c'est pas plus sanglant, plus terrifiant et plus violent. C'est plus mal fait, plus à chier, plus navé. À l'occasion, ça peut le faire. Donc, je répète pour cette critique, n'allez surtout pas voir Piraconda. Allez, tchuss. Crevez tous. Ha ha! Ha ha! Ha ha!